Nous allons prier le Seigneur que nos cœurs soient disposés à écouter la parole de Dieu. Aimez-vous nous voir, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter ce matin, c'est une grâce que tu nous as faite, Seigneur, d'être dans ta présence pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu, toi qui as la parole. Et nous croyons que c'est la parole qui a tout lié. Selon qu'il est écrit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous croyons que la parole est la lumière. Éclaire encore tout homme ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Hier dimanche, donc, nous avons vu, nous avons commencé notre thème que nous avons intitulé « Le défaut n'entrera pas ». Et nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous sommes en train de lire donc le chapitre 21 et aussi le verset 21. Il est écrit, tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir de son Dieu. Voilà donc ce que nous avons lu hier. Et ce matin, nous continuons dans cette même pensée. Dans ce texte, nous prenons d'abord la première partie. Il est écrit tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Bien-aimé le Seigneur. Dans cette portion de l'écriture, dans cette première phrase, nous voyons déjà un mot qui nous saute aux yeux, c'est la race. Dieu s'adresse à une race. Nous savons que parmi les hommes, il y a plusieurs races. Mais vous savez que Dieu est esprit. Et donc ici, la race dont Dieu parle, où Dieu fait allusion, ce n'est pas la race liée à la couleur de la peau, par exemple. Mais, chers frères et sœurs, par définition, la race aussi veut dire une famille. Est-ce qu'on peut clapper le Seigneur? Donc, quand Dieu dit tout homme de la race du sacrificateur Aaron, ça veut dire tout homme de la famille, tout homme de la descendance du sacrificateur Aaron. Et une autre définition qui parle donc de la race, c'est aussi lié au sang. Voilà donc on nous cite un homme qui s'appelle Aaron. Et Aaron était fils de Lévi. Donc il faisait partie de la tribu du sacerdoce ou bien de la sacrificature. Parmi les 12 tribus en Israël, Dieu avait choisi une tribu que Dieu avait consacrée au service de Dieu. Voilà pourquoi en ce qui concerne le service de Dieu, alors Dieu portait ce regard et parlait spécialement ou précisément sur la tribu sacerdotale. Dieu dit donc tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Et d'où vient Lévi, chers frères et sœurs? Nous savons que Jacob avait deux femmes. Et donc parmi les deux femmes, l'une était vraiment aimée. Hein? Et l'autre n'était pas vraiment beaucoup aimée. Léa n'était pas aimée. Tandis que Rachel était aimée. Mais Dieu, dans sa miséricorde, voyant que Rachel n'était pas beaucoup aimée, alors Dieu va faire grâce à Léa. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pour te rappelant ce matin. Quelquefois toi aussi dans ta vie, tu étais rejeté. Tu n'es pas aimé par les autres. Et tout le temps, c'est toi qui es comme la risée des autres. On se moque de toi. Rien ne marche. Tu es comme le rebut de la société. Chers frères et sœurs,
que soient les rejets des hommes, ce qui est important dans ta vie, c'est que Dieu ramasse ceux qu'on a rejetés. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ t'aime. Il est venu comme le médecin, le docteur venu de Dieu. Et ce docteur-là ne soigne pas comme à l'hôpital vraiment des hommes, mais il soigne par des miracles extraordinaires. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Que le Seigneur opère des miracles dans ta vie. Là où on t'avait rejeté, que le Seigneur t'accueille. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont vécu se sont vus des situations difficiles dans leur vie. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur leur a donné la valeur. Il les a guéris. Quel que soit le nombre qu'ils étaient, même quand c'était une foule, Jésus-Christ les a guéris. Et nous prions dans ce mois que tu nous as fait rentrer, qu'il te guérisse, qu'il te bénisse, qu'il te donne de jouir du bonheur, qu'il t'accorde sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Léa n'était pas aimée. Par contre, Rachel était aimée. Et Dieu, pour confondre l'orgueil de Rachel, il va commencer à donner des enfants à Léa. Je vous assure, chers frères et sœurs, la Bible déclare quiconque s'élève sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà pourquoi même quand tu pries le Seigneur, chers frères et sœurs, tu dois être ce publicain. Il reconnaissait ses défauts, il reconnaissait ses faiblesses, et il sollicitait ou suppliait le Seigneur pour qu'il lui accorde la miséricorde. Donc nous voyons que Léa va donc mettre au monde un troisième fils qu'on a dit qu'elle va donner le nom de Lévi. Et c'est une grâce pour Léa, parce que plus tard le Seigneur va porter ce regard sur ce troisième fils. Et sa descendance sera un modèle des sacrificateurs, des gens qui sont mis à part pour servir le Seigneur. Vous savez, c'est un privilège, c'est un avantage de servir Dieu. Si tu comprends ces choses, tu ne vas pas aller dans le monde, tu ne vas pas être dans la distraction. Servir Dieu est un grand privilège. Lorsqu'on sert le Seigneur, le Seigneur porte ses regards sur nous. Et il y a même des promesses que Dieu a faites spécialement pour ceux qui le servent. Beaucoup de gens disent, par exemple, cette promesse, tout a forgé contre moi. Sera sans effet. Et tout le monde célébrant justice contre moi, en tout cas, tu la condamneras. Alors, mais la suite de ce texte dit que tel est l'héritage qu'il accorde aux serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra en aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une bénédiction pour Rachel que d'avoir un enfant qui sera de la tribu de ceux qui vont servir le Seigneur dans le temple et dans le sanctuaire. Dans ce texte, Dieu s'adresse. Il dit tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Nous sommes dans Genèse chapitre 29, le verset 34. Il est écrit: elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il y a Lévi. Et Lévi signifie attaché. Lévi signifie joint. Chers frères et sœurs, et nous voyons surtout même la signification de ce nom nous enseigne beaucoup de choses. C'est là où nous comprenons que Dieu nous a sauvés au moyen de son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons attachés à lui. Et quand Dieu joint quelque chose, personne ne peut briser, personne ne peut séparer. Et c'est pourquoi l'Écriture dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. Alléluia. Amen.
chers frères et sœurs, nous voyons que Léa était très content. Léa valait pour Yangalala. Parce qu'elle savait que désormais son mari sera attaché à elle. Or, chers frères et sœurs, Dieu nous attend à nous attacher à lui. Le but pour lequel tu as été sauvé par Jésus-Christ, c'est que ta vie soit attachée au Seigneur. Lorsque tu t'attaches à lui, tu deviens un homme pieux, une femme pieuse. Et c'est alors que Dieu va te donner le jour du bonheur. Nous prions ce matin que Dieu nous donne de comprendre ces choses tous les jours de notre vie, que nous soyons attachés au Seigneur. Nous avons essayé dans notre passé de nous attacher aux hommes, mais nous avons reçu des déceptions. Beaucoup ont encore des blessures intérieures parce qu'ils s'étaient attachés à un homme, ils s'étaient attachés à une femme. Mais voilà que dans la suite, la personne vit déception sur déception. C'est pourquoi ce matin, quelles que soient les relations que tu vas avoir, quelles que soient les relations amicales, les relations familiales, les relations professionnelles, quelles que soient les relations, sache que ton cœur doit s'attacher au Seigneur. Ta vie doit s'attacher au Seigneur. Et si tu t'attaches au Seigneur, il ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'abandonner. J'aimerais te dire ce matin, tu es un Lévi. Tu es une Lévi. Alléluia. Amen. Dieu pense toujours à ceux qui sont de cette tribu sacerdotale. Souvenez-vous de Zacharie, le souverain. Zacharie était donc de la tribu, je crois, il était de la descendance d'un fils d'Abia. Mais Zacharie va se lier à une femme qui était de la descendance de Aram. Et à cause de ma chère frère et soeur, Dieu va se souvenir de Zacharie et d'Elisabeth. À cause du fait que Dieu est attentionné à ceux qui se mettent à servir, Dieu va penser, il va vraiment penser se souvenir d'Elisabeth et de Zacharie. Et la Bible déclare les deux, ce couple-là, l'homme et la femme, ils respectaient, ils observaient les commandes du Seigneur d'une manière vraiment extraordinaire. Ils étaient attachés au Seigneur. Et un jour, malgré l'âme avancée, malgré l'âge avancé, chers frères et sœurs, Dieu leur a donné un merveilleux enfant. Et cet enfant va marquer aussi l'humanité, parce qu'il sera un enfant prophétique, celui par qui le chemin du Seigneur Jésus sera préparé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de nous attacher à lui. S'attacher au Seigneur nous donne la paix. C'est ce que Job nous rappelle. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi de bonheur. Que notre cœur s'attache au Seigneur. Que nous soyons des Lévis ce matin. Des hommes et des femmes qui se procurent à obéir, à servir Dieu, à se consacrer pour le Seigneur, où qu'on puisse se trouver, que notre cœur soit disposé à faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes ce matin.